que 24 heures en bébé, c'est aussi 24 heures sans écran. 3, 2, 1... Une tétine. Du lait en poudre. Non, c'est pas du... Si. C'est du lait en poudre. Bon, voilà, on va mais dire tu sais que pas c'est le pain, bon. Regardez. Et un... Allez, go, 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 go. Qu'est-ce que tu fais? Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage! Salut à tous les amis! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qu'on est super content de faire parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait, Esteban? Alors aujourd'hui, vous avez vu, il se passe des trucs dans la chambre, il se passe des trucs bizarres et tout. Alors aujourd'hui, on va faire un 24 heures bébé. Alors on avait déjà fait cette vidéo, mais cette fois, alors là, on a ça fait un truc encore mieux. On a fait un truc génial. Elle vous avait beaucoup plu. Et aujourd'hui, nous avons prévu plein d'activités, mais nous sommes avec Esteban. Avec Papa Pink. Voilà. Donc je suis stylé comme jamais avec ma petite calvitie. Comme jamais. Alors surtout, si ce concept de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like. Allez, vous avez 3 secondes. 1, 2, 3, allez, vous mettez un like. Et surtout, vous notez mon look en commentaire. Est-ce que j'ai... Alors, on se retrouve tout de suite, on installe la chambre. Parce que là, regardez ce qu'on a préparé. Alors là, mes amis, regardez ce qu'on a installé. Mais attends, Lily Rose, je t'ai pas tout expliqué. Parce que 24 heures en bébé, c'est aussi 24 heures sans écran. Allez, plus de tablettes, plus de tablettes, plus de tablettes. Ça c'est parti. Mais il y a ton téléphone confisqué aussi. Non. Et oh, il y a le bureau de Peppa Pink. Alors là tu devras pas faire de bêtises. Mais aussi ce que je t'ai pas dit, c'est que t'allais t'habiller comme un bébé. Mais non. Allez, mais comme un bébé. Comme un bébé. Non. Comme un bébé. Et aussi je t'ai acheté des surprises. Alors est-ce que tu es prête à déballer les surprises? Et bah pour ça tu vas devoir t'habiller en bébé. Allez c'est parti. On se retrouve tout de suite après parce qu'on va pas la montrer s'habiller et tout. Allez c'est parti les amis. Attends, attendez. Je vous montre un peu ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. T'auras pas le droit. Et en dessous des cloches aussi il y a des surprises. C'est vrai. Il y a une bonne cloche et une cloche avec un truc dégueu. Non tu sais pas ce que c'est. Allez à tout de suite. Habille-toi vite hein, parce que là on est super pressé. A few moments later. Allez mon gros bébé, je suis Papa Pink, allez va dans ton lit. Mais t'es sûr qu'il va pas casser? Ouais ouais non c'est sûr qu'il va pas casser, on l'a déjà utilisé plusieurs fois. Alors est-ce qu'il est confortable? Pas trop. Oh surtout, prends ton petit peignoir pour cette nuit. Et prends ta couverture, et prends les coussins, et prends ça, et prends ça. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que si nous allons faire une sortie dehors, donc on a prévu un petit parapluie, si, avec un petit camion, poète. Je veux ouvrir les surprises. Regardez le petit camion poète. Tu veux un jouet? Tu veux un jouet? Voilà. Ah, c'est quoi ça? C'est un xylophone. C'est un xylophone. Et surtout, alors nous avons ça et on va commencer le premier challenge, défi. Alors, nous avons deux cadeaux devant nous. Lequel veux-tu en premier? Le gros ou le petit? Le gros. T'es sûr? Oui. T'es sûr? Parce que si t'as le gros, tu vas devoir faire un autre challenge par derrière. Oui. Allez, on commence par le petit. Okay. Allez, le petit. Alors, à votre avis, c'est quoi en commentaire? C'est pour les bébés, c'est bon, c'est doux. Alors, qu'est-ce que c'est? Vas-y, 3, 2, 1. Une tétine. Tu vas devoir prendre une tétine. Je peux l'ouvrir ou pas? Alors, surtout, les amis, ne faites pas ça, la tétine, c'est mauvais pour les dents, etc. Donc, n'en prenez pas. Nous, on fait pour la vidéo. J'ai arrêté la tétine à 6 ans. À 6 ans? Oh, c'est super vieux, oh la honte. Je peux ou pas? Ouais, vas-y. Allez, 3, 2, 1. Tétine. Alors ça fait quoi? Rien. Depuis le temps. C'est juste Allez, tête la tétine. Et après, ne vous inquiétez pas les amis, restez bien jusqu'à la fin, il va y avoir plein de trucs. Et après Lily Rose devra vraiment se mettre en mode bébé, c'est-à-dire ne pas parler et tout, donc ça va être trop vite. Allez, donc ce qu'on va faire maintenant, le deuxième cadeau. T'es prête? Allez, fais un petit peu de bébé. Bah attends, lève-toi pour le cadeau parce que là ça va être chaud bouillant. Mais est-ce que les amis savent que c'est? Allez, t'es prête, on l'ouvre. 3, 2, 1. Un biberon. Un biberon. Et justement, c'est un biberon. Ouais, c'est un biberon. Alors là, c'est super bien parce que c'est super top ce genre de truc. Non, mais elle l'ouvre pas comme un bébé. Et si sinon, on l'ouvre comme ça. Allez, vas-y. Alors ne vous inquiétez pas, le matériel sera réutilisé parce que Lirose en voulait un depuis longtemps. Donc, en fait, c'est pas j'en voulais, c'est que je voulais tester. Voilà, donc vous inquiétez pas, hein, ça va pas être gaspillé et tout. Bah la tétine, on va pas la remettre, bien sûr, mais non, voilà. Non, mais je pense que Lirose va encore en vouloir. Et justement, à propos du biberon, je t'ai préparé un petit challenge. Tu pourras laver par contre parce
Ouais ouais, on va laver, on va laver. Mais on va pas le filmer. Alors, dans une des cloches, il y a un truc bon et dans l'autre un truc dégueu à manger. Alors, laquelle tu choisis? Parce que là, c'est vraiment... T'es sûr? Lève. Oh, c'est le truc bon. Mais comme t'es un bébé, tu peux pas. Oh, et du coup, c'est à l'autre. Qu'est-ce que c'est? Du lait en poudre. Non, c'est pas du... Si. C'est du lait en poudre. Tu vas devoir manger du lait en poudre. Oh non. Ah bah si, regardez les amis. Du bon lait en poudre. Et justement, j'avais prévu un peu de water. La water. T'es prête? Non. T'es prête? D'ailleurs, tu vas devoir concocter ça toute seule. Hein. Oh non. Ah si, si, si. Dans le biberon. Dans le biberon. Mais non. Tu pourras laver l'embout. Ouais, on va le faire. Allez, à tout de suite, on va le laver. On se retrouve tout de suite pour le challenge. Biberon. Ouais. Alors c'est parti. On va mettre l'eau et le truc. Alors d'abord mets la mixture. Non. Mais ça va coller, non? Non non non, mais d'abord la farine. Okay. Allez t'es prêt? Bah fais la farine. Ouais fais, attends parce que là ça va être vraiment catastrophique. C'est Lyros qui l'a fait. Attends, je vais mettre en mettre partout. Allez. Bon voilà, on va dire que c'est bon. Pas le regardez. Et ensuite l'eau. L'eau est là. L'eau est là. Allez, mets en entier parce que sinon ça et va après, coller. Et après on secoue parce que là ça fait des grumeaux. Oh en mais fait. Punaise. Alors imaginez Lyra si elle devient mère demain, là, si elle a un bébé. Non, non, le bouchon. Le ah bouchon. Ouais, bah... Ah ouais. J'avais oublié. Mais attends, t'as bien vissé le truc au moins? Bah oui. T'es sûr? Bah oui. T'es sûr? Bon. Vas-y, allez, mets le bouchon. Et secoue. On secoue. On secoue. On secoue. On secoue. C'est bon normalement. Attends, attends, donne, donne, donne parce que là. Vas-y, j'essaye de boire ou pas? T'es prête? J'ai pas envie. Allez, goûte. Alors, tu nous donnes une note sur 10. Alors, à votre avis, dans les commentaires, est-ce que c'est bon? Hashtag biberon. C'est dégueu. C'est dégueu ou pas? Non, c'est pas bon. Oh my god. Alors, bah surtout, Lyros a testé pour vous, ça n'est pas bon. C'est dégueu. Le lait en poudre n'est pas bon. Bah non, mais c'est, je pense que t'exagères un peu, c'est pas si mauvais que non, ça. Non, je te jure, par contre, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc ça tombe bien, parce que tout de suite, est-ce que t'aimes bien avoir honte? Non. Est-ce que quelque part t'aimes bien avoir honte? Pas du tout. Parce que tout de suite, on va passer à la promenade. Mais non. Ah, tu veux pas passer à la promenade? Bah tu vas devoir passer au moment où t'es comme un bébé pendant 24 heures. À tout de suite. Oh là là, dégueu. Voilà, donc là nous avons affaire à bébé Lily. Non. Sauf que bébé Lily a décidé de jouer avec non. ça. Non, arrête de faire papa, ça. Arrête papa, de jouer. Non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Lily. Tu fais? Non, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu Lily. Fais? Mais qu'est-ce que tu fais là? Va jouer. Mais non, mais t'as fait tomber mon écran. Non. Mais c'est pas une attitude de bébé ça. Qu'est-ce que tu fais? Et le matériel informatique là. Regardez, toute la maison est saccagée. C'est pas possible ça. Non mais moi j'en ai marre, qu'est-ce qu'on va faire Lily Rose? Non mais sors de ton rôle, là j'en ai marre. Regardez ce qu'elle a fait. Regardez ça, et tout, même hors caméra et tout. Non mais je m'arrache les cheveux là. Je m'arrache les cheveux. Tu veux biberon? Bah si c'est comme ça, tu sais ce qu'on va faire? On va aller se promener dans la rue. Allez si, dans la rue. Dites-le en commentaire, dans la rue. Dans la rue, dans la rue, dans la rue. Et c'est pour ça que nous avons les chaussons. Et c'est pour ça que nous avons le camion. Oui, camion. Et c'est pour ça que nous avons le parapluie en cas de pluie. Donc allez, si vous voulez voir ça, restez sur la vidéo. Là, ça va être top. Là, on est sur une vidéo top forme à 100%. Allez, mets les chaussons. Tu vas aller te promener comme ça, tu sais, en camion, Lily Rose. T'es sûr? Ouais, tu peux arrêter d'être un bébé parce que là... Ouais. Mais tu vas vraiment aller te promener, hein. Oui. It's not a joke. Ce n'est pas une blague, ok? Ok, tu fais ça. Et d'ailleurs... On t'a acheté un petit jouet. Oh, voilà. Jouet. Voilà, je sais que t'es très contente, je sais que t'es très friande de ça. Donc le petit camion et on se retrouve tout de suite dans la rue. A few moments later. Oh là, on a Lily Rose en mode gangsta. Regarde, nous apprenons à rapper. Aussi lire, écrire, récompter, on est d'accord. Si tu sais pas faire ça, donne en avis, toi t'es mort. Alors est-ce que ça te plaît cette petite activité? T'es prête? Allez, course de vitesse. 3, 2, 1. Allez, go, 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 go. Bon allez, ça va venir 2 minutes. Là on va rentrer parce qu'on commence à se faire regarder bizarrement. Donc allez, à tout de suite. Moi je te laisse ici toute seule hein. Si, allez, allez, bisous. T'es sûr que ça va? Oui. Là Lily Rose elle est tellement fan, mais sans rire dans la vidéo, qu'elle m'a demandé de faire un tour comme ça. Je pense qu'elle retombe en enfance la petite Lily. Oui. Tu retombes en enfant? Oui. Mais les bébés ça va pas dans les escaliers? Non.
Mais non, mais ça se fait pas du tout. Heureusement que t'as 9 ans en vrai. Non mais sérieusement, elle se prend tellement au rôle qu'elle décide de prendre les escaliers à 4 pattes. Bon voilà, bon, c'est parfait. Allez, avance, avance. Go, 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 go. Allez, on rentre dans la chambre. Alors, est-ce que tu as aimé cette fabuleuse journée en tant que bébé? Alors nous, on a fait plein d'activités, alors on s'est vraiment marré à faire cette vidéo. Donc on espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas. Alors enlève, Okay, à vous abonner. Bye bye et surtout, on passe à la bulle magique. 3, 2, 1, bulle magique. Donc voilà, merci beaucoup à Camille, à Ilyasa, à Imad et à Clarisse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Bye bye. Allez, ciao.